Six ans après l'indépendance de l'Algérie, dans le cadre d'un accord franco-algérien signé en décembre 1968, il y avait une clause qui permettait aux travailleurs algériens en France de faire venir leur famille. C'est ce qu'on appelle le regroupement familial. Pour en bénéficier, il y avait bien sûr certaines conditions. Avoir un salaire décent et stable et un logement qui ne soit pas insalubre. Parmi ces Chibanis qui n'ont pas fait le regroupement familial, certains ne comptaient pas rester. Et pour d'autres, ils ne rentraient pas dans les critères demandés, les salaires n'étaient pas suffisants. Malheureusement, on peut constater aujourd'hui que 50 ans après, ils sont toujours là et seuls. Attention, on me croit là. Si un vieux, il te dit qu'il a une belle attente avec ses enfants là-bas et sa femme, il est mort. Parce que quand ils étaient petits, nous, on était là, on travaillait là. Ils nous voyaient une fois par an. Ils ont grandi avec leur mère. Ils en avaient pas l'habitude de nous voir tout le temps. Alors quand ils s'est grandi, c'est pareil. Et ça leur fait... Ils vont dire, comment mon père était là-bas, il l'a laissé ici. D'abord, moi, mes enfants, plus enfants, ils me l'ont dit. Oh, il m'a dit, d'abord, toi, tu n'étais pas avec nous. Un type qui travaille pendant toute sa vie pour elle, pour ses enfants, pour sa famille, au dernier moment, il se trouve seul. Ça fait très mal, ça fait. Très mal, ça. J'avais deux garçons à l'époque. Je voulais les amener. Ma femme ne voulait pas venir. Ben, j'ai dit, bon, faites comme vous voulez. Voilà, faites. Moi, je vais vivre en France. Tu préfères vivre ici toute seule? Moi, je viens de temps en temps, une fois tous les ans, tous les deux ans, je viens, voilà. Et maintenant, elle est d'accord pour venir. Il a compris. Mais au bout de 50 ans après, de 40 ans après, c'est un peu trop tard. Oui. Parce que je n'ai pas ni les moyens, ni la force de faire ce que je faisais à l'époque. Je regrettais que je n'ai pas resté ici comme les autres, ou bien j'ai amené ma femme ici, on reste ensemble ici. Là, parce qu'avant, moi, j'étais... Voilà. Au moins, je reste avec mes enfants et ma femme, soit ici, soit là-bas. Là, je regrette bien. Parce que là, je n'ai pas profité avec mes enfants. Mais maintenant, je profite un peu avec les petits-enfants. Voilà. Je trappe ce que je peux garder avec mes enfants. Vous êtes fier de vos enfants? Ah oui. Ah oui, ils sont bien. Ils sont... Quand je rentre, tout le monde il m'a dit, vous avez des enfants, ils sont... Voilà. Rien que ça c'est vite. Voilà. Donc finalement, vous avez quand même des satisfactions. Eh oui, ah ouais. Et encore, c'est pas moi qui l'a... C'est ma femme qui l'a... Ah ouais. C'est pas moi, j'étais là.